Bonjour, nous sommes le samedi 23 octobre 2010. Vendredi 15, le CAC a terminé la séance à 3827,37 ici. Hier, vendredi 22, il a clôturé, vous le voyez, ici à 3800, pardon, 68,54. Il a donc gagné ici, au cours de cette semaine, 1,01%. La semaine dernière, je vous avais signalé que logiquement, la hausse qu'on avait constatée entre le 11 et le 15, c'est-à-dire ici, devait se poursuivre du 18 au 22, c'est-à-dire ici. C'est bien ce qui s'est effectivement produit. Que risque-t-il de se passer la semaine prochaine? Ben, disons, apparemment, la moyenne mobile à 20 jours continue à grimper. La bande de Bollinger continue à monter, elle aussi. Les cours sont dans la meilleure position qu'ils soient pour monter, puisqu'ils sont compris entre la moyenne mobile à 20 jours et puis la borne supérieure de Bollinger. La moyenne mobile à 150 jours a l'air de vouloir finalement s'aplatir, c'est-à-dire peut-être indiquer à long terme une reprise de la valeur du CAC 40. Et apparemment, en tout cas, bien que les stochastiques soient toujours dans une zone de surachat ici, apparemment, la semaine prochaine devrait être elle aussi une semaine haussière. Donc, normalement, le CAC 40 va continuer à progresser. Peut-être qu'il va enfin arriver à 3900 points, je ne sais pas. Je ne sais pas prédire l'avenir, disons. Qu'est-ce qui va se passer maintenant en ce qui concerne la parité euro-dollar? Eh bien, le 15 octobre, c'est-à-dire ici, elle se situait à 1,3976 pour 1 euro. Hier, le 22, elle n'était plus qu'à 1,3951. C'est-à-dire qu'elle a connu une petite régression de 0,18%. Bon, c'est vrai que ce n'est pas grand-chose, vous voyez. Ce qui signifie que sa progression se ralentit, ce qui ne signifie pas du tout que sa progression est arrêtée. Il y a toujours de quoi se poser des questions. Regardez bien. La moyenne mobile à 20 jours continue à grimper. Visiblement, la bande de Bollinger est en train de prendre une position plus ou moins horizontale, peut-être simplement comme ici, mais à un niveau largement supérieur, puisqu'elle est ici aux alentours de 1,39. Les stochastiques juste se croisent dans une bonne période, c'est-à-dire à un moment, regardez ici, quand il y a ce croisement, les cours vont reprendre leur progression. Ces cours sont toujours situés aussi au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, donc moi je ne vois aucune raison en tout cas pour que cette hausse ne continue pas, c'est-à-dire pour que l'euro ne continue pas à s'affermir en face du dollar. Il faut dire que le dollar en ce moment il est quand même en train de connaître une assez jolie dégringolade par rapport à pratiquement toutes les devises. Dernière chose enfin, l'or. Alors l'or, là, c'est la première fois depuis longtemps, c'est-à-dire depuis le mois d'août, je crois, oui, c'est ça, que les cours de l'or repassent en dessous de la moyenne mobile à 20 jours de Bollinger. J'ai bien la première fois à regarder cette magnifique progression ici. Est-ce que ça signifie que le cours de l'or va redégringoler? Je ne pense pas. C'est un petit arrêt, disons, dans sa progression en direction des 1400 dollars l'once, mais il est vraisemblable que cette progression va reprendre. Alors, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Le 15, l'or était à 1368 dollars l'once. Alors, le 15, c'est ici. Ici, hein, n'est-ce pas, la partie basse, disons, de ce chandelier qui est en rouge. Hier, le vendredi 22, il était ici à 1328 dollars 10, c'est-à-dire que le cours de l'or a régressé de 2,96%. Bon, régresser de 2,96%,
Ça ne veut pas dire régresser à titre définitif jusqu'à, je ne sais pas, les fins fonds de l'enfer. Pas du tout. Regardez la bande de Bollinger. Là aussi, les deux bornes se rapprochent une de l'autre, c'est-à-dire que la volatilité, pardon, va être un petit peu moindre. Et surtout, ils ont l'air de vouloir regarder l'allure de la moyenne mobile à 20 jours, de vouloir se diriger d'une manière horizontale, c'est-à-dire que les cours vont vraisemblablement varier pendant un petit moment entre, on va dire, 1310 et puis 1380-90 dollars l'once. Mais la moyenne mobile à 150 jours, vous voyez, elle continue à grimper, ce qui est un signe très positif et qui m'indique, à mes yeux tout du moins, que si recul il y a, ce ne peut être qu'un recul très provisoire. Alors, cela dit, nous avons terminé cette analyse habituelle, disons, de la semaine qui vient de s'écouler, avec des prévisions pour la semaine prochaine. Je vous souhaite de passer une excellente semaine boursière et je vous dis à samedi prochain.